Ça pourra me servir. C'est Erend. Il a des problèmes. Soit réglé. Merci pour ton aide. Viens discuter un peu avec moi. Allez, qu'est-ce que t'attends ? Quoi ? Tu veux pas me parler ? Allez, c'est sérieux, il faut qu'on parle. Qu'est-ce que tu fais ici, tout seul? Où sont tes hommes? Je refuse de les mettre en danger. Je n'hésite pas à risquer ma misérable peau, mais pas la leur. Désolé de t'avoir impliqué là-dedans. Oh, ne t'en fais pas. C'est une journée normale pour moi. Tu sais, éliminer des machines, traquer des tueurs. Ouais, ton emploi du temps m'effraie. T'es prête à commencer? Dis-moi exactement ce qui est arrivé à Ersa, depuis le début. On ne sait pas vraiment. Elle est partie au beau milieu de la nuit avec quelques soldats d'élite. Des soldats d'élite? Mais elle ne t'a pas emmené? Non, je bois beaucoup trop. Elle a dû croire... Bon sang, je sais pas, que je m'en sortirai pas. Les équipes de recherche ont trouvé leur corps au matin près... Des cadavres d'une poignée de Karja de l'ombre. Une embuscade. Les Karja de l'ombre sont des brutes. Elle est si défigurée qu'on ne peut même pas montrer son visage avant l'enterrement. Je suis navrée, Erend. Ouais, bon.
quand je trouverai ceux qui ont fait ça, ils seront navrés aussi. Bon. Montre-moi où Ersa est tombée. Je ferai mon possible pour t'aider. Allez, suis-moi. Qu'est-ce qui a poussé Ersa à venir jusqu'ici? Je sais pas. Ça n'a aucun sens. C'est le territoire des Karja de l'ombre? Non, ils ont enfreint le cessez-le-feu à la seconde où ils sont entrés dans la fissure. On y est presque. C'est là. C'est ici qu'a eu lieu l'embuscade. Nos soldats ont fouillé la zone, mais ton petit appareil magique pourra peut-être trouver quelque chose. S'il te plaît, je dois trouver les ordures qui ont fait ça. On dirait que quelque chose a été traîné. Quelqu'un aurait déplacé un corps ici. Qu'est-ce que tu vois? Cette tache forme une ligne. Comme si le sang avait coulé du rebord de quelque chose. Comme un chariot. Tu vois? Des traces de chariot. Je pense que quelqu'un a amené les corps ici, puis les a éparpillés dans la zone. Attends. T'es en train de me dire que les morts auraient été tués ailleurs? Pourquoi les Karja de l'ombre feraient ça? Très franchement, je suis pas convaincue que les Karja de l'ombre soient responsables. Mais bien sûr que si. Bon, suivons ces traces et on verra bien. Je vais mettre ça de côté. Je comprends pourquoi ils voulaient tuer Ersa, mais pourquoi simuler une embuscade? On ne sait pas tout. Il faut qu'on trouve ce qui s'est passé. Ce sont pas les Karja de l'ombre, mais ceux de ma tribu, les Oseram. Alors c'est comme ça qu'on se salue dans ton peuple? Ah.
va leur montrer comment on règle les problèmes à la roquette. Restez malin, restez concentré. Continuez à frapper. Je crois que ça appelle les machines. Prépare-toi. On ne me lit pas, allez! Qu'est-ce que c'est ? Je crois que ça appelle les machines. Prépare-toi. Si vous ne cherchez pas. Oh!
Des Océram, pas des Karja de l'ombre. Je me suis trompé sur toute la ligne, une fois de plus. S'il te plaît, utilise ta deuxième. C'est quoi ces lanières en cuir? Des sangles d'armure, coupées avec un couteau, et une pierre tachée de sang. Ces rochers... ils sont brisés. Quelque chose a frappé ces rochers. Quelque chose que je n'ai jamais vu. On dirait des armes de l'avant-garde. Il n'y a pas de sang dessus. Les hommes d'Ersa n'ont pas riposté. On dirait qu'on peut adapter un accessoire sur ce truc. Là, à côté du trépied. Une batterie utilisée. C'est le casque d'Ersa. Je croyais qu'il était mort en bas, mais ça devait être là. Toutes ces ruses. Pourquoi? C'est rien de plus que de la torture. J'ai une théorie. Mais il faut un peu d'imagination. Jusqu'à présent, tes théories tiennent mieux la route que les faits. Écoute. Je crois que les Océram ont tendu un piège à Ersa avec une nouvelle arme. Ils l'ont fixée sur ce trépied qui est là-bas. Elle tire des ondes de force ou de son. On dirait que ça a brisé ce rocher. Je crois qu'elle paralyse les gens au lieu de les tuer. Elle a figé l'avant-garde ici. Pas de sang sur leurs armes. Pas de combat. Mais pourquoi les paralyser s'ils voulaient juste les abattre plus loin? Ils essayaient de cacher quelque chose? Regarde, une pierre ensanglantée. Utilisée pour écraser le visage d'Ersa. Ou de quelqu'un d'autre. Visiblement, ses sangles ont été coupées.
Comme s'ils avaient pris l'armure de quelqu'un. Non, 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 c'est impossible. Son corps est exposé publiquement à Méridian, et je l'ai vue. Tu as dit qu'elle était méconnaissable. Ils ont peut-être mis un autre corps dans son armure, quelqu'un de la même corpulence. Et ils l'ont défiguré pour qu'on puisse le prendre pour celui d'Ersa. Retourne à Méridian. Regarde à nouveau ce cadavre. Si c'est vraiment Ersa, je me serais trompée. Mais si j'ai raison... Alors ça veut dire que ma sœur sera en vie? Bon, j'y vais. Rejoins-moi dès que possible. Je fais des réserves.
Descente rapide. C'est dur, mais j'ai l'habitude. Je garde ça pour plus tard. Un croisement.
C'est sûrement là que Nassan devait retrouver son contact. On dirait qu'il y a eu une bagarre. Mais pas de corps. Si on a traîné le corps de Nassan, il doit y avoir des traces. Ah, voilà. Voyons où elle mène. Un avant-poste des Karja de l'ombre. Pourvu que Nassan s'y trouve. Thank you.
Ils retiennent Nassan prisonnier. Je dois l'aider. Allez, un peu d'action. Ce n'est pas un avertissement. Ils retiennent Nassan prisonnier. Je dois l'aider. On va recommencer. Quand nous reprendrons Méridion, je vais rester simple vu que t'es pas très en forme. Qu'est-ce que tu faisais à ce croisement ? Je faisais un pique-nique. Avec ta mère. Je crois qu'il essaie de te mettre en colère. Raté. Ma mère adore les pique-niques. Enfin, cela étant dit, nous ne sommes pas plus avancés. C'est pas grave. Ça me gêne pas de lui péter quelques os. Faudra lui en casser combien avant qu'il se mette à chouiner ? C'est un coriace. Regroupez-vous, les gars ! Regroupez-vous ! Il y a beaucoup de sang, là ! C'est peut-être pas m'en sortir. Qui viennent ? Kindiv m'envoie. Je vais te sortir de là. Moi qui croyais qu'il m'avait abandonné, je vais lui faire un gros câlin en revenant. Allez, par là ! Kindiv m'a parlé de votre action. La cargaison est perdue ? Non. Elle est cachée pas loin. Il y a un paquet d'affamés à Brunand qui l'attendent avec impatience. Bien. Bon, écoute. Quand tu rentreras à Méridian, va parler au noble Ravan. Dis-lui la vérité, et il t'aidera. Implorer l'aide d'un Aristo ? Ben... Après ce que t'as fait, je vois pas comment refuser. Mais d'abord, il faut que j'aille à Brunand. Sois prudente.
Je la préparerai plus tard. Impossible de trouver ce que je cherche. Achète ce dont tu as besoin. J'en ai arrêté deux pour trouver la lampe de tout le monde. Je préfère pas te raconter ce qu'il faisait. Viens, jetez un coup d'œil à ces marchandises. Un certain Nassan est venu me voir, et nous avons conclu un accord. Un accord qui devrait aider beaucoup de gens à Brunante. Dire que tout ça est parti d'un vol. Comme on dit, suis l'ombre et tu trouveras une lueur. Je refuse catégoriquement. Pendant ton prochain combat, tu regretteras certainement de quoi t'être arrêté. Thank you.
Très bon rapport qualité-prix. C'est sûrement la flèche. Elle est immense. La fumée du charbon s'échappe des forges. Tu es Nora. Je suis Naman, l'éploré. Je suis navré qu'on se rencontre ainsi. C'est-à-dire ? En deuil. Tu chéris le tien, comme un talisman. Pardonne-moi. Tu n'es pas venu demander réparation ? Pour un proche perdu dans la fosse ? Non. Je sais pour les raids rouges, mais les Karja ne me doivent rien. Je vois. Bon. J'accepterai avec plaisir l'aide d'une étrangère, et je t'en serai éternellement reconnaissant. Ces gens sont là pour honorer leurs proches, leurs morts, avec leurs propres mots, sans marmonner des rituels face à la pierre. Mais des obstacles se dressent, pendant que Méridian attend sans bruit la moindre difficulté. Cette tunique m'entrave les mains. Pour vous aider, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le premier pèlerin est un Océram. Il a besoin de se rendre à l'hôtel des rois, sur le chemin de la ville. C'est là qu'il attend, retenu dehors par un vieux prêtre du soleil qui refuse les païens. Cet Utaru a perdu son compagnon à l'orée du joyau, près d'un lac où traînent des carapateurs. Il y a bien un hôtel pour repousser les machines, mais son efficacité laisse à désirer. Les Banouk peignaient une marque sur les pics du soleil. Un appel à l'esprit des machines, apparemment. Mais ce n'est pas utile. Des étincelles y nichent, attirées par l'éclat de la flèche. Donc, je dois chasser les machines de deux hôtels et chasser un prêtre du troisième. Je ne te demande que ta charité et d'entendre leur histoire. Je ferai mon possible pour aider ces malheureux. Honorer leur mémoire, c'est honorer les vivants. Aventurier. Oh là, l'étrangère! Je suis Vilgund. Tu es venu en ville chercher du travail? Ah, des éclats! Assez pour t'acheter une tenue plus adaptée? Ok. Arrête là, si tu veux que je t'écoute. Je voulais dire qu'une jolie femme aussi bien faite que toi...
J'ai entendu une rumeur à propos d'un camp de Banouk. Des machines dociles, on y trouverait. Alors j'ai payé des hommes pour enquêter. Juste enquêter, c'est tout. Ces Banouk sont rusés. Trop rusés. J'ai payé d'avance. Enfin, la moitié. Je n'ai pas de nouvelles depuis. Donc tu veux payer quelqu'un pour retrouver ceux que tu as payés? Ah, ils doivent être morts. Ce qui m'intéresse, c'est la rumeur. Si je m'intéressais à cette rumeur... Tu n'aurais pas besoin d'aller grimper sur les épaules du monde. C'est à la limite des terres Banouk, sous l'enclume de la lune. Et j'ai l'impression que t'as l'habitude de te promener dans l'Est sauvage. Enfin, l'Est. S'ils vivent réellement parmi les machines sans les craindre dans ce camp, eh bien... Tu ne peux pas rater ça, pas vrai? Je paie au retour.
ça apaisera ma faim.